Nous sommes donc le 6 janvier, c'est le jour idéal pour manger la galette des rois et ça tombe bien, nous sommes devant chez Elodie et Jérémy qui ont gagné le premier prix de la meilleure galette originale 2013. C'est juste ici, nous sommes avenue Bollé, je vais entrer puis je vais acheter une galette, il n'y a pas de raison, venez avec moi. Bonjour Elodie. Bonjour. Comment ça va? Très bien et vous? Merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi, merci. Je peux venir avec vous derrière? Bien sûr, allez-y. Allez, je vais voir comment ça se passe, félicitations donc gagnante. Et gagnant avec Jérémy, oui, du concours. Sûr, tous les deux. C'est vous qui faites les galettes? Moi non, je les mange. Non, je... Et vous les vendez? Et je les vends, moi. C'est déjà pas mal. Je pense, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes installée ici? 3 ans, le 26 janvier, là. Vous êtes tout jeune? Bon, oui, il faut. Vous avez quel âge? 25 maintenant, mais faut pas le dire. Hein. Non. Et Jérémy, plus vieux? 26. 26, très bien. Vous avez décidé ensemble de monter l'entreprise et ça marche? Très bien. Ah, maintenant, on est très contents de l'entreprise. Ça fonctionne, c'est bien. C'était une ancienne boulangerie déjà à l'époque? Oui, elle existe depuis à peu près 1940, si je ne dis pas de bêtises. Quand même. Oui, j'ai des clients qui étaient tout petits, qui venaient ici. Qui sont âgés maintenant, qui venaient ici. Et vous-même, vous veniez à la boulangerie avant? Ah non, non, non. Vous n'êtes pas du Mans? Si, le Guillaume. D'accord, pas très loin. Non, c'est pas trop loin. Mais Et vous êtes installé au Mans? Tout à fait. Donc ça fait 3 ans, tout marche bien. Vous faites pas que de la galette? Ah non, 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 on fait plein de choses. Il y a la pâtisserie, on fait des macarons, chocolat maison, la viennoiserie, bah, le pain bien sûr. Des gâteaux de bonbons aussi. Des gâteaux de bonbons? Ouais. Il y en a? Dans la vitrine derrière. Ça a l'air bon ça. Oh que oui. Et Jérémy, il a fait son apprentissage au Mans? Alors il a fait son apprentissage, il a commencé chez Monsieur Bulou à Ciel-Guillaume. Il a fait au Mans chez Monsieur Ozan à Saint-Saturnin. Il a été salarié chez Monsieur Bouteloup à Ciel-Guillaume. Et il s'est lancé ensuite? Oui, oui, oui. De toute manière, il veut faire que ça, donc... C'est bien, une vraie passion. Passion, voilà, c'est vraiment... Il y a un client. Oui, on va le servir. On va le servir ensemble. Bonjour, je peux le faire, je peux le faire. Allez-y. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre 2 baguettes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Ordinaire, c'est... ou moulé? Ah, ordinaire ou moulé. Ah, la différence entre ordinaire et moulé? C'est juste la technique de cuisson. D'accord. Les ordinaires cuisent directement sur la sole du four. Et les moulés, comme dans des plaques, dans des moules en fait. Elles ont l'air bonnes, hein? Bon oui, je vous ferai goûter. Et il est 14h, vous vous levez seulement maintenant? Ça ouais, c'est ça. Dis donc, faut se lever plus tôt le dimanche, non? Non, 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 justement, non. C'est bien. Moi je fais la même chose. Je vais venir après. Mais je fais la même chose tous les samedis, moi je me lève très tard. Alors, une fois par semaine, on a bien raison. Hein. Ouais, et on a le sourire de la boulangère. Ah, pour commencer la journée, c'est top. 1, 2, 4, 5. Hop, allez, 10. Et je vous remercie. Merci monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On peut aller voir Jérémy? Tout à fait. Il bosse derrière? Oui, oui, il est en plein nettoyage. Donc. Oui, 14h, c'est la fin, presque la fin de la journée. Ça ferme à quelle heure? Ah, moi, je ferme à 19h. 19h, donc on a un petit peu le temps. On va le voir mais bosser. Lui, il arrête plus tôt. Ah oui, bah, bien sûr. Mais depuis 2h ce matin, à peu près. Ah, quand même, c'est pas comme le monsieur. Non, bah non, bah non. Ça, c'est rare. Allez, venez avec nous, on va voir ce qui se passe dans le fournil. J'ai laissé Elodie parce qu'il y a des clients. Je vais juste voir Jérémy qui est en train de travailler, de faire du ménage. Salut, chef! Comment ça va Jérémy? Bonjour, ça va. Félicitations. Merci. Bonne année qui commence bien. Oui, meilleurs vœux. Félicitations quand même. Galette, donc premier prix de la galette originale. Voilà, c'est ça. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait 3 catégories, brioché, frangipane et originale. Et vous êtes lancé dans la originale avec une galette. Qu'est-ce qu'elle a justement d'original, votre galette? Eh bien, elle est préparée à base d'ananas et de noix de coco. Ah, pas mal. Là, du coup, c'est vrai que c'est original. Comment est venue cette idée? Eh ben, l'idée, elle est venue d'un gâteau qu'on faisait l'été, une tartelette crumble noix de coco. Et donc, on s'est dit pourquoi pas le faire en galette. Donc, Le résultat est tombé jeudi, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, j'imagine, il y a la foule au magasin. Oui. Ça marche bien? Ça marche. Très bien. Génial! Donc, depuis 3 ans que vous êtes installé, bien installé en plus. Vous faites des travaux petit à petit? Voilà, petit à petit, on essaye de se mettre aux normes, quoi. Donc, ouais. Voilà. Donc il paraît que vous vous levez à 2h du matin? 2h du matin, c'est ça. C'est pas trop dur? Ça va. Depuis combien d'années vous faites ça? Ça va faire 9 ans. Waouh! 9 ans. Un vrai travail de courageux, quoi. Voilà. Et la farine, elle vient d'où? Elle est sartoise? Elle est de Mayenne. Ouais. Mayenne, mais les blés viennent de Sarthe et de Mayenne. D'accord. Comment ça fonctionne? On est livré dans des grands sacs ou... On est livré en sac, oui. Ah ouais? Oui. Donc aussi, il faut les porter? Le four est éteint, là, ouais. C'est bon, on peut s'approcher? Le four est éteint, oui. C'est un four électrique? Il n'y a plus qu'à le balayer. Ouais. Ah, on balaye le four tous les jours? On balaye le four, oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a des, il reste des traces de... La farine brûlée, faut la nettoyer, sinon ça fait des traces sous les baguettes. Bon, on va revenir à la galette. On en prépare combien par jour pour ce dimanche? On est le 6 janvier. Pour ce dimanche, on est peut-être à 300 galettes. Mais alors, faut les faire à l'avance alors? Faut les faire à l'avance, ouais. Hier? Non, comment ça se passe? Hier, on a... Vous n'êtes pas seul? On a bombardé. Si, tout seul avec mon apprenti. 300? Oh là là. Ouais. 300, c'est énorme. Il y en a un peu quand même d'avance, mais... D'accord. Faut en repréparer derrière, quoi. L'année prochaine, vous vous relancez dans le concours? Oui, sûrement, pour la briochée et la frangipane. Ah oui, parce que maintenant, vous avez gagné la catégorie originale. Vous pouvez pas rejouer l'année prochaine. Non. Vous serez juré, peut-être? Jury, oui, normalement, oui. Pour l'original. Pour l'original, voilà. D'accord. Une idée déjà pour les prochaines? Pour les prochaines originales? Non, les prochaines classiques, parce que maintenant, vous avez l'original, faut gagner aussi. Dans les autres catégories. Non, petite idée de comment vous allez faire, toujours frangipane? Toujours frangipane, mais la frangipane, faut que ça reste frangipane. Ah, ça bouge pas, ça. La briochée, faut que ça reste briochée. Hein. Après, ça se joue sur la texture, sur l'odeur, sur le goût? Sur le goût aussi, et sur l'aspect visuel, quoi. En tout cas, bravo, on voulait absolument venir vous voir pour vous féliciter quand même. Merci. Et puis bah, j'espère que ça va continuer encore longtemps. D'autres projets d'ouverture d'autres boulangeries peut-être plus tard? C'est pas en projet, pas non. Pour le moment. Pour l'instant, on s'occupe de celle-ci. Je m'occupe de mon magasin pour l'instant et on verra bien par la suite. Bah, félicitations. Là, vous allez vous coucher, vous vous relevez à 2h du mat demain? Non, là, je vais pas me coucher, je vais aller encore tourer du feuilletage. Là. Et vous êtes levé à 2h, donc voilà. Du coup, vous n'êtes pas fatigué? Qu'est-ce que vous prenez? Vous mangez de la galette, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous pourrez nous en donner aussi à nous, parce que des fois, on a des coups de mou. D'accord. Bah. On va vous payer une petite galette avec un petit café, alors. Ah, je dis, c'est pas ça pour ça, mais en même temps, lui, c'est un gourmand. Vous avez vu comment il est? Ouais. Il aime bien la galette. Ouais. Hein. Il aime les pains au chocolat, enfin, il aime la totale. Jérémy, je vous laisse bosser. D'accord. Je peux dire au revoir à Elodie avant de partir? Pas de souci. À bientôt, félicitations. D'accord, bah, je vous remercie. Salut, bon courage. Au revoir. Allez, viens, non, mange pas. Non, laisse la galette là. Bon, c'est bon, il est pas trop fatigué, ça va. Ouais, il bosse, hein? Ah, il faut, hein. Je l'exploite, non, je rigole. Non. Elle a tout compris. Ah non, mais. Non, il travaille bien. C'est le métier, quoi. Après, c'est sa passion, donc il faut. Et vous êtes mariée? Taxé, j'attends la demande. J'aurais dû lui demander. Bah, je crois. Ouais, il me dire avant. Bah non, parce qu'en fait, on s'est paxé pour l'entreprise. Et ouais. J'attends vraiment un mariage. Avec tout ce qu'il faut. Voilà. La robe. C'est pour l'entreprise, quoi. Et, ouais, et du bon pain. On a le temps, on est encore jeune, on a le temps. Mais bien sûr. Donc. Bah, je vous laisse bosser jusqu'à 19h. Oui, bah, il faut. Vous êtes ouvert du mardi au... Du mardi au dimanche, 7h, ouais. 19h. Bah, 20h la semaine et 19h le dimanche. Donc demain, c'est repos. Demain, c'est repos. Vous allez faire quoi? On va faire des galettes. On n'a pas le choix. Okay. Donc, non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Bah, je vous remercie beaucoup. Hein. Puis, bon courage, Elodie. Bon week-end. Merci. Et puis, il y a encore des clients, ça n'arrête pas. À bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Eh ben, je vais vous dire, c'était très bon. Maintenant, on va se remettre en forme avec un petit peu de sport. Direction une salle de remise en forme. On y va tout de suite.